Allez, salut les potos, c'est The Fred HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. Il y a quelques jours, j'ai été contacté par l'application Spazzy. Alors je pense que vous avez déjà vu plusieurs youtubeurs en parler, mais je trouve le concept et cette application indispensable. Si vous avez une petite sœur, un petit frère, une cousine, une nièce et que vous avez envie de la protéger, cette application elle est pour vous. Cette vidéo elle me tient vraiment à cœur parce que depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai reçu beaucoup de messages des abonnés filles assez jeunes qui se faisaient harceler à l'école et qui pensaient se suicider. Si les parents, le grand frère, la grande sœur avaient eu accès au téléphone de leur fille, ils auraient tout simplement pu voir qu'elle se faisait harceler, qu'elle se faisait frapper à la sortie des cours, que les gens lui balançaient de la bouffe à la cantine. C'est juste l'application primordiale. En plus, elle est très simple de fonctionnement. Vous téléchargez Spazzy soit sur votre PC, soit sur votre téléphone portable, donc l'appareil à partir duquel vous allez pouvoir surveiller tout, et vous téléchargez également du coup Spazzy sur le téléphone que vous voulez espionner. Ensuite, regardez ça, c'est dingue, hein, c'est une application trop cheatée. Vous pouvez regarder tous les appels qu'elle a reçus ou qu'elle a passé. Vous pouvez savoir le contact, son numéro de téléphone, l'heure à laquelle l'appel a été passé. Vous pouvez également surveiller ses messages pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui continue à l'harceler après l'école ou qui lui veut du mal. Et le plus indispensable aussi, c'est de savoir sa position. Vous pouvez voir l'endroit exact, la rue exacte où votre fille, votre petit frère, petite sœur se situe. Donc si par exemple elle est sortie de l'école, elle devait rentrer à 17h30 et qu'à 17h40 elle est toujours pas à la maison, tu te dis il commence à avoir un problème. Et peut-être qu'elle est en train de se faire frapper à la sortie des cours, que des jeunes l'ont emmené dans la rue à côté, on sait pas. Mais c'est super important de pouvoir savoir où le téléphone de ta fille se situe, voir ses appels, ses messages. Tu peux également voir ses photos pour voir s'il n'y a pas des photos compromettantes ou s'il y a des gros photos dossiers qui peuvent lui faire du mal. Vous pouvez voir tous les contacts qu'elle a sur son téléphone pour voir si elle traîne pas avec des gens bizarres, etc. Donc vraiment, cette application elle est géniale. Donc je vous explique comment ça va se passer maintenant. Là, je suis chez moi, je vais partir dans mon ancienne maison voir mon frère et ma famille. On part se faire couper les cheveux. Pendant qu'il est chez le coiffeur, je prendrai son téléphone, je vais télécharger l'application Spazzy sur son téléphone pour pouvoir espionner tous ses appels, ses messages, voir s'il a une petite copine ou des messages ou des photos un peu compromettantes. Je vous mets de toute façon les liens de l'application dans la description. Il y a la version démo, il y a la version payante, etc. Vous pouvez vraiment voir tout ça dans la description. J'espère qu'on va trouver des messages et des choses assez what the fuck sur son téléphone, ça pourrait être très drôle. Et j'ai aussi peur de voir sa réaction, parce que quand il va se rendre compte que j'ai espionné son téléphone, il va me défoncer. Mais ça va être assez drôle, c'est parti. Ouais les potos, c'est bon, je suis bien arrivé. Par contre, il y a une petite galère, le coiffeur il arrivait un petit peu plus tôt que prévu. Donc mon frère, quand je suis arrivé à la maison, s'était déjà fait couper les cheveux. Et c'était pendant qu'il se faisait couper les cheveux que je voulais récupérer son téléphone. Mais vous inquiétez pas, The Frag HD a toujours un plan B. Là il est en train d'aider ma mère en bas, il a laissé charger son téléphone dans sa chambre. Donc là on va aller installer l'application Spazzy dessus et on va observer tout ça. Vous avez vu, il m'a fait une petite coupe, le coiffeur sympa. Dites-moi si vous aimez bien dans les commentaires. Allez, c'est parti. Bon les potos, je vais pas faire trop de bruit. Il est juste en bas. Et dans sa chambre, putain c'est le bordel ici, il a une chambre aussi bordélique que son grand frère, il a laissé charger son putain de téléphone, ça c'est génial. Ok, alors je vais le déverrouiller. Oh, par contre j'espère que je me rappelle de son code, s'il n'a pas changé depuis la dernière fois. Attendez, tac, je crois que c'est ça, oh, je me rappelle plus, attendez. Hop, tac, 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 je crois que c'est ça. Parfait, voilà, devant un million de personnes au moins. Si les gens veulent connaître le mot de passe de mon frère, c'est fait. Bon allez, c'est parti, je fais pas trop de bruit, je gueule trop, il va me cramer. Je télécharge vite fait l'application Spazzy, les potos, et puis on va regarder les messages ensemble. Le prank peut enfin commencer, j'ai accès à tout son téléphone. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je vais avoir un million d'abonnés, et il y a tous les numéros qui sont affichés, il y a trop d'infos, donc je vais vraiment tout flouter. Je peux pas prendre le risque, etc., qu'il y ait des gens qui se fassent harceler à cause de ma vidéo et tout, parce que j'ai laissé des informations, mais je vais vous lire vite fait les messages. Il y a Tom, qui lui dit toujours chaud demain pour un grec. Ça, il va se mettre bien le petit enfoiré. Il y a un autre message de Ethan MDR. Il lui dit bouge ton petit cul enfoiré, viens Fortnite. Et il se fait maltraiter par ses potes le pauvre. Non attends, attends. Putain. Il y a Maeva qui lui a mis un petit coucou avec un cœur. Attends, mais est-ce qu'il a une copine? Oh, s'il m'a caché qu'il a une meuf. Bon, vous savez quoi, je vais aller le voir et je vais aller lui dire que j'ai espionné son téléphone. Et on va voir sa réaction. Je vais jouer un petit tour assez sympa. On est devant sa chambre. On va lui dire qu'on vient de le troll. Je toque quand même avant. Salut. Qu'est-ce que tu filmes comme ça? Tu vas bien? Non, je voulais juste savoir, demain t'avais toujours prévu de faire un grec avec des potes, non? Oui, j'ai prévu de faire un grec avec des potes. Je voulais juste te dire un truc, faut que t'arrêtes de te faire bolosse par tes potes, le petit enfoiré, va, viens Fortnite, etc. Attends, tu parles de... Attends, de qui? Non, je sais plus, c'était Ethan, je crois, Ethan qui a mis, vas-y bouge ton cul, viens Fortnite, enfoiré. Bon, attends, je vais
rentré dans le bus il y a 3 minutes, tu te bagues. Attends, juste, faut que je sache un truc. Est-ce qu'il y a un petit crush avec une certaine Maeva? Il y a pas un truc J'ai vu un petit coucou, petit cœur. Maeva, non, c'est une pote, t'inquiète pas. Attends, mais Flo, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, parce que t'étais toujours avec ton téléphone, en plus tu vas les recevoir les messages. Bon, en fait, je t'explique, mec, c'est l'application Spicy, en fait. J'ai téléchargé une application fantôme, en fait, que tu vois pas sur le téléphone. Et j'ai pu voir, tous tes messages, toutes tes photos, attends, appels. Enlève-moi ça, là, de mon téléphone. T'inquiète, je te l'enlève juste après. Par contre, mec, faut que tu floutes, hein. Ouais. Il y a les téléphones, non, mais tout ça. T'inquiète, je vais vraiment flouter, mais là, je vais flouter même tout l'écran, je crois, je vais pas prendre de risque. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu d'autres messages. Putain, j'avais pas toute la soirée non plus pour regarder tous les messages, tu vois. Mais là, j'ai chopé les plus croustillants que tu venais de recevoir. C'était assez drôle, franchement. Bon, bah voilà, les potes, si vous kiffez l'application Spicy, n'hésitez pas à aller en description, la télécharger. J'ai bien troll mon petit frère, ça marche ou quoi hein. J'ai vu sa tête se décomposer. Non, mais attends, comment tu sais que. Bon, voilà, tu fais un petit bisou aux abonnés, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Et puis, vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, les potos. Tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et merci pour les 1 million qui vont arriver. Mec, tu te rends compte? 1 million, gros. Ouais. 1 million, mec. Plus que 20 000. Putain, plus que 20 000 abonnés avant le million. J'avais presque envie de chialer. Je vous ferai un live de malade pour le 1 million. C'est obligé. Bon, allez, je vous embrasse, les potos. Ciao, ciao.